Ce supporter a la tête des mauvais jours et pourtant il a vu son club, le Betis, réaliser l'une des plus belles prestations de sa phase aller, Séville Valence, et un premier but ne donnant pas forcément le sourire aux Andalous. Dorado contre son camp à la 66e minute, 1-0 pour Valence. C'est ensuite que démarre le festival. Ruben Castro, l'attaquant sévillan, passé notamment par la Corogne. Un premier but des plus simples, histoire d'égaliser à la 90e avant cette 93e minute incroyable. La superbe frappe de l'Espagnol, 2 buts dans les 3 dernières minutes de cette rencontre. Et le Betis décroche une victoire inespérée, 2-1.